Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Cette présentation est le cinquième volet de la série de 6 vidéos et 3 directs dont le thème principal est un cheminement spirituel, l'illumination et l'ascension ou l'intégration en cinquième densité. Je vais continuer à vous présenter les races stellaires que je connais le mieux et avec lesquelles j'ai interagi à l'écrit ou en audio, notamment grâce à mon contact principal Zen, mais aussi grâce à beaucoup d'autres contacts. Par exemple, de 2016 à 2021, une jeune fille, elle aussi extraterrestre, appelée Svarupa Priyananda de la planète Hera dans les Pléiades, qui est également appelée Svaru sur les réseaux sociaux espagnols, mais qui est depuis décédée et qui a été remplacée dans le contexte terrestre par une dizaine d'autres versions d'elle-même par parthénogenèse. Je vais également utiliser des extraits de mon livre « Premier contact » où j'ai commencé à les présenter sous l'article 7.5 intitulé « Race actuellement en contact, leurs caractéristiques et leur langue » et nous allons ensemble procéder à une analyse comparative pour que vous puissiez mieux appréhender la vraie réalité extraterrestre, à la fois physique et spirituelle, dans l'objectif de les rendre plus concrètes et réelles. Je suis Tim de Space News. Nous allons aujourd'hui nous pencher sur le cas des Humites d'Umo, dans la constellation de la Vierge, qui ont une flotte de vaisseaux mères stationnés à une bonne distance du cosmoport Viera, et les étortants de Bételgeuse dans la constellation d'Orion, qui interagissent avec les autres races extraterrestres dans les grands conseils extraterrestres impliqués avec la Terre par hologramme. Les Humites sont également appelés sur Terre Humains et Oomans, O-O-M-A-N-S. Ils sont originaires de Wolf 424, dans la constellation de la Vierge, Soleil Iema et planète Umo. Leur langue est un langage articulé constitué de sonceps et un système neurolinguistique finement analysé par le linguiste Jean Paulion dans son ouvrage « Humo de vrais extraterrestres ». Leurs concepts scientifiques ont été étudiés par l'astrophysicien Jean-Pierre Petit dans « Contact cosmique, les extraterrestres sont parmi nous », coécrit avec Jean-Claude Bourret. Mais ils ont aussi été formés aux principales langues terriennes. Ils utilisent un mode de communication écrite avec la Terre qu'ils définissent comme une structure neurolinguistique adaptée à la culture actuelle qui, selon eux, ne reflète la leur que partiellement et de manière non chronologique. La grande majorité des Humites est dépourvue de cordes vocales. Ils utilisent principalement la télépathie. Ils possèdent des technologies si avancées qu'elles sont capables de lire vos pensées, mais aussi de les projeter avant qu'elles ne se concrétisent dans votre propre cerveau. Ils font entre 1m60 pour les plus petites femmes à 2m pour les plus grands hommes. Leur longévité est entre 150 et 200 ans. Leur style est nordique suédois. Ils apprécient des températures froides et 12 degrés est confortable pour eux. Ils sont capables de lire avec le bout des doigts et la plante des pieds.
Ils ont différentes tonalités de peau, des yeux et iris ronds de différentes couleurs, 5 doigts et 5 orteils, et ils mangent de tout, légumes, poissons et viande de gibier sauvage. Ils ont plusieurs bases terrestres et des expéditionnaires dispersés dans différents pays sur Terre. Au 23 septembre 2022, ils sont 60 en Europe, 30 en Amérique du Nord, 18 en Amérique du Sud et 12 en Antarctique. Je les ai déjà partiellement présentés dans ma vidéo numéro 2022, numéro 74. Tous les membres de cette civilisation ont un esprit scientifique et une logique rigoureuse et méthodique. Leurs lettres et leurs messages aux terriens sont sans compromis vis-à-vis de nous et ils invitent à la remise en question de notre société et de ses penchants destructeurs. Ils aident à la protection de la planète, à développer une perspective tétravalente de la réalité cosmique. Ils partagent de nouveaux concepts et des informations techniques pour l'évolution de la culture scientifique. La formation à de nouveaux paradigmes scientifiques et l'incitation à la réforme des systèmes éducatifs sur Terre. Ils sont autonomes très jeunes et selon leur tradition, ils quittent leurs parents et sont éduqués de manière très stricte dans des centres écoles spécialisés. Ils sont ensuite sélectionnés selon leurs compétences pour servir leur communauté. Leur civilisation est de type dictatorial, selon ce qui m'a été rapporté par différentes flottes extraterrestres, ainsi que par le jeune homme humite de 18 ans, Al 243, avec lequel je me suis entretenue plusieurs fois. Leur société, comme celle de beaucoup de races extraterrestres, est gérée par une intelligence artificielle planétaire appelée chez eux Xanmo Ayuba. Chez nous sur Terre, c'est en train de se mettre en place, mais ces deux races ont un esprit communautaire remarquable. C'est la raison qui me fait les rapprocher, parce que ces deux communautés qui sont connues sur Terre ont un sens très fort de leurs communautés respectives. Ce rapprochement devrait nous permettre d'avoir un meilleur sens de la réalité extraterrestre, et c'est là le plus important, d'appréhender la manière dont nous devons orienter la société terrienne pour pouvoir un jour nous asseoir à la table des échanges avec d'autres races extraterrestres. Passons aux étortants. Vous allez être extrêmement étonnés, comme je l'ai été moi-même lorsque Zen, mon principal contact extraterrestre, m'en a parlé. Ils sont absolument exceptionnels et extrêmement différents des terriens, et même des autres races extraterrestres qui les trouvent très aliens par rapport à eux. Il existe au moins 165 différentes races de grands et de petits gris, mais ils ne sont pas tous d'origine reptilienne ni positifs, mais les étortants le sont, malgré le fait qu'ils soient souvent présentés comme des créatures monstrueuses. Ils sont positifs, progressifs et ne représentent pas une menace pour les terriens. Certains viennent sur Terre où ils y vivent pour étudier les terriens ou collecter des échantillons pour analyser et protéger les écosystèmes terrestres. Voici un dessin que j'ai fait d'eux, que j'ai ensuite présenté à Svarupa Priyananda pour vérification. Voici un copier-coller de notre échange que j'ai traduit en français
Elle estime que ma représentation d'un sage et d'ortant senior est très bien. Je savais qu'ils avaient ce long cou et qu'ils sont très doux dans l'ensemble. Ils ont 3 doigts et 3 orteils, mais d'autres races de gris en ont 4. Leur canal olfactif, leur nez et respiratoire se situe à la place de l'oreille chez l'humain. Ce qui ressemble à un nez n'en est pas un. C'est une glande spéciale dotée d'un sonar, un système d'écholocation par ultrason avec des fréquences qu'ils font varier selon leur cible, comme les dauphins sous l'eau et les chauves-souris dans l'air. C'est un système de déplacement très élaboré qui leur permet de se repérer la nuit lorsqu'il y a peu de visibilité et pour localiser et obtenir des informations précises sur les objets de leur environnement. Ils l'utilisent notamment lorsqu'ils chassent pour localiser leurs proies ou leurs ennemis et pour les étourdir avant de les capturer et en produisant un ultrason effrayant du type clac clac qui fait grincer les dents des terriens. C'est la même chose qu'un dauphin, bien que génétiquement il n'y ait pas de lien de parenté entre les dauphins et les étortants. Le dauphin émet une rafale d'ultrasons à peine perceptible, mais le son émis par les étortants est plus audible et perceptible par les terriens qui perdent la tête lorsqu'ils l'entendent, parce que l'ultrason les étourdit. À part toutes ces caractéristiques quand même assez extraordinaires, leur biologie, croyez-le ou non, est végétale. Mais beaucoup de choses diffèrent chez eux de ce que notre concept d'une plante peut être. Les étortants ne sont pas du tout hostiles à l'homme. Ils n'enlèvent pas d'humains, sauf leurs propres émissaires stellaires, lorsqu'ils veulent entrer en contact physique ou pour les protéger. Ils viennent de Bételgeuse, également appelée Alpha Orionis, Ori 58, à 643 années-lumière, c'est extrêmement loin. Bételgeuse est la 2e étoile la plus brillante de la constellation d'Orion après Rigel. Les étortants sont des aides, des guérisseurs et des experts en génétique. Ils terraforment les planètes et les ensemences de plantes, d'animaux et d'espèces humanoïdes ou autres. Ce sont d'ailleurs eux, avec les Arcturiens Diazali Antiplex, qui ont implanté les proto-humains sur Terre. Ils construisent, créent et font évoluer. Ils ne détruisent pas. Ils prennent soin d'eux. Ils disent que c'est comme ça et que ça a toujours été. Ils n'utilisent pas la parole vocale et ne parlent aucun langage verbal ni construit ni humain. Ils n'utilisent que la télépathie. Et comme ils vivent très loin, à plus de 643 années-lumière, ils utilisent l'holographie à distance, donc l'hologramme, pour communiquer en présentiel. Cela signifie qu'ils seront présents à une réunion des grands conseils de l'espace et du consortium bipartite dont ils font partie en utilisant des hologrammes avancés. Ils mesurent 1,80 m à 2 m, leur durée de vie est de plus de 1000 ans et peut-être plus. Ils n'ont pas de sexe, mâle ou femelle, ils portent des uniformes gris ou des combinaisons de vol dans les vaisseaux spatiaux, et leurs dirigeants, dans des rôles de leadership, portent de longues robes noires. Ils sont sérieux, stables, presque impossibles à manipuler mentalement ou à changer. Ils sont attentionnés et respectueux, mais en même temps, ils sont effrayants et très intimidants. Et c'est Zen, d'une autre espèce extraterrestre, qui m'en a fait la remarque. Donc, ils doivent l'être beaucoup pour impressionner une autre race extraterrestre. Je continuerai à décrire leurs innombrables différences ultérieurement.
Pour revenir maintenant à la spiritualité et l'analyse comparative entre les humites et eux. Comme vous le voyez, ces deux groupes sont très différents. Les humites sont assez proches des terriens et les étortants pas du tout. Pourtant, ce qui les rapproche est quelque chose que les terriens ne possèdent pas encore vraiment, mais qu'ils pourraient développer de manière consciente et profonde. C'est le sens de la communauté, pas seulement celui de la famille, des amis et des clubs privés, mais le sens d'une communauté globale spécifique à une planète, et donc chez nous une communauté planétaire terrestre. Mais demanderiez-vous, comment parvenir à développer et à maintenir le sens de ce type de communauté planétaire quand tout sur Terre est si divisé, si polarisé et si peu dirigé vers l'équité, le respect mutuel et l'échange au même niveau? Le sens intrinsèque d'une communauté planétaire dépend-elle du degré de la spiritualité sur cette planète? Eh bien, nous verrons ceci lors de la prochaine série de vidéos et de directs du mois prochain, thématique qui a été suggérée par une auditrice qui demandait des conseils et que je remercie. Je vous retrouve dans quelques jours pour le volet 6 et le dernier de cette série consacrée à la spiritualité extraterrestre, avec la réponse de Zen à la question d'Akuin et Kaku. En attendant, portez-vous bien, méditez et soyez heureux. Je suis Tim, l'un des porte-drapeaux d'une communauté planétaire. Je vous remercie et je vous salue respectueusement de cœur à cœur.